autorisation d'attaquer tout. Ennemi dans la zone des autres. La petite rose qui arrive dans le dos là. Faut que j'aille sur les caches. J'ai absolument rien là. Oh. Je passe de mal à bien d'un seul coup. On demande un survol de reconnaissance. Reçu, on est arrivé sur zone. Reconnaissance en cours. Alors lui, les gars, il a pris cher pour une cinquantaine de personnes. J'ai fait du baseball avec ses couilles. Drone ennemi au-dessus. Where is the fortress? Where is the fortress? Portugais! Oh, caray! Oh! Oh caralho puto! Oh tu caralho ton puto tout! Bougon! Non! Non! Oh, oh! Chat, j'ai fait au mieux! GG, man. Oh putain, quelle arme d'enculé. Arrête-toi, c'est un... Mec, il est direct allé se cacher dans le bâtiment. What what, boys? What what? Hey, what? Ronaldo. Ronaldo. Comment est-ce qu'il était là? Pourquoi tu prends pas d'armes? Parce que le Glock de base est 10 fois plus fort que toutes les armes du monde. Y'a plus besoin d'armes sur ce jeu. Lance-grenade sans visée, Glock pour la distance, lance-grenade pour le corps à corps. Je vous le dis, ça a pissé le sang. Ok. Je lui ai tiré dessus la roquette. Je lui ai tiré. Ma roquette était parfaite. Oh le rat. Oh le rat. Attends. Parfaite. Oh le rat. Oh le rat. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité. Voilà. Fils de pute. Clip encore une fois. Il voit à travers le mur. Il y en a tellement, les gars. C'est le quatrième aujourd'hui qu'on repère. C'est-à-dire c'est un manette PC. Ah la saloperie. Aussi propre qu'à la guillotine. Parce que ça c'est pas des moves à la souris, c'est des moves de manette. On va regarder sa partie. Je suis curieux de voir comment s'en sort un joueur avec un Wallach. Est-ce qu'un joueur avec un Wallach gagne une game ou pas? Il a pas d'IMBot, hein. Il a juste un Wallach.
Les gars, ça se voit. Il a que le Wallach. Il a vraiment que le Wallach, les gars. Le Wallach, c'est le fait de voir à travers les murs. Regardez. Là, il le voit. Là, il est en train de le regarder. Hop. Regardez. Il sait qu'il est là. Là, il fait genre. Là, il fait un peu de cinéma. Et là, peut-être qu'il a vu qu'il avait deux spectateurs. Oh, j'ai deux specs. On va attendre un peu. On va la jouer discret. Mais ce genre de joueurs, en fait, qui ont besoin d'un Wallach pour jouer, c'est des joueurs qui sont tellement nuls, mais genre tellement nuls, à un moment donné, avec le stress d'une situation, ils vont re-se-mettre à cheater et sans faire attention à si c'est flagrant ou pas. Et à ce moment-là, nous, qui savons que c'est merde cheat, on le prouve par A plus B. C'est un bot, ce mec qui Wallach comme un chien. Le cheater qui suit quelqu'un à travers un mur comme ça, c'est pas le bon cheater. On s'amuse à faire un truc comme ça. Ça peut être un joueur comme moi, comme n'importe qui joue bien. On s'amuse à faire des trucs comme ça. Quand il y a que de la merde, mais que là il y a des trucs bizarres en plus, tu sais que lui il est coupable. En fait, moi mon viseur, je n'ai pas besoin de le mettre là où l'ennemi va sortir, à la fenêtre ou à la sortie du mur. Moi mon viseur, je le mets dans le mur. Comme ça, je sais un peu mieux où ils sont. Je dois sortir. Le courage m'appelle. Un bon coup de Wallach à droite, un bon coup de Wallach à gauche. Allez, maintenant c'est entre moi et eux. Hop, un bon petit coup de Wallach avant. Et un buisson. Ce buisson est tout à fait pour moi. Rat depuis X années maintenant. Fils de pute sur la quatrième génération, Baltaz nous décide de vous montrer son gameplay et son expérience de Call of Duty. Il le voit ? Mais quelle vision ! On dirait qu'il est... Il n'a plus le même shoot qu'avant. Il a appuyé sur la touche magique supplémentaire. Nous avons un Wallach. Ainsi. C'est un truc pour traquer. Il n'a plus de recul sur son arme. Le no recoil. Le no recoil est donc activé, en plus du Wallach. C'est la fin de game. Il nous sort le feu d'artifice. Il veut nous montrer tout ce qu'il sait faire. Attention, il se place, allongé. Oh là là, ça connaît. Oh là là, oh là là. Oh là là, on en a plus rien à foutre. On a tout activé. On en a plus rien à carrer. On t'emmerde, Activision. Il est comme ça, gros. Il est en train de se pignoler, le bonhomme, en même temps qu'il tire. Regarde-le. Il en a plus rien à foutre, le mec. Titouan qui est bien placé, mais qui ne regarde pas à gauche, ça pourra peut-être le punir. On ne sait pas. Va-t-il gagner cette game avec son M-Lock ainsi que son Wallach? Attention, c'est parti. Oh, bon, mais quel shoot. Mais quel shoot. Mais quelle vision. Quelle vision, mais... oh là là, ça accroche. Capitaine, ralentissez. Oh la capitaine, ralentissez. Oh, ça se voit, capitaine. Un Titouan qui s'en bat les couilles. C'est une démonstration de tout ce qu'il sait faire. La frappe de précision, il n'a plus d'armes. Il la garde entre ses mains. Allez, là, il a vu quelqu'un, il met la frappe dessus. Titouan qui repart en arrière, mais quelle vision, Dieu. Visionnaire, avant-gardiste, napoléonien. Titouan étant 1v1 final, il sait pas du tout où est le dernier. Mais il est banni. Il est banni. Oui. 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 C'est bon ça. Ça c'est bon. Incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer, chat. Incroyable. Oh les gars, c'est une masterclass. Oh gros, c'est fou. Oh gros. Oh, le roi des rats banni en plein live. Nouvelle vidéo YouTube.